Olney Podcast, des événements au cœur de la ville. Prenons le temps de découvrir ensemble les événements et les animations qui sont proposés tout au long de l'année. Projet de ville, aujourd'hui à Olney Podcast, nous sommes réunis pour parler du forum de l'accès au droit qui sera ouvert gratuitement au public les vendredis 9 et samedi 10 juin à la ferme du Vieux-Pays de 10h à 17h. Pour parler de ces deux jours, nous avons autour de la table Malika Labadlia, directrice adjointe Tranquillité et Sécurité publique, en charge du pôle Prévention de la Délinquance et du point justice. C'est elle qui pilote le projet de forum. Il y a également Isabelle Gégoudès, coordinatrice Atelier Santé de la ville, ainsi que Laurence Octor, responsable du Bureau d'aide aux victimes. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors Malika, pour commencer, ce forum est une première à Aulnay-Sous-Bois. Pourquoi avoir décidé de l'organiser et quel est son objectif alors, bonjour aux auditeurs déjà. Et donc, pourquoi avoir organisé ce forum? C'est tout simple. Nous avons mis en place des permanences juridiques en 2016 et nous avons pu constater qu'il y avait une forte demande au niveau de l'accès au droit, notamment des problématiques de logement, des problématiques de succession, des problématiques liées à des divorces ou des séparations. Donc, tout ce qui concerne le droit d'une manière générale. Euh, D'où euh, la mise en place de ces permanences, qui nous a permis de voir euh, une forte demande au niveau de la population, auxquelles nous ne pouvions euh, malheureusement pas répondre totalement. Nous avons fait un partenariat avec le Conseil départemental de l'accès au droit. Nous avons pu bénéficier donc d'un juriste supplémentaire qui intervient au point justice. Et c'est pourquoi euh, nous avons souhaité, avec le CDAD, mettre en place ce forum de l'accès au droit. Pour justement faire connaître les différents dispositifs qui existent au niveau de la ville et des structures qui interviennent dans les quartiers pour répondre aux interrogations des olnésiennes et des olnésiens. Donc voilà en gros pourquoi ce forum. Alors concrètement, la cour de la ferme du Vieux-Pays sera divisée en plusieurs stands avec des codes couleurs, hein, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Donc des codes couleurs qui permettront aux olnésiens et aux olnésiennes. De pouvoir identifier les différentes structures, nous aurons notamment un point qui concerne tout ce qui touche à l'orientation, l'insertion et la formation et l'emploi avec des acteurs comme Pôle emploi, la mission locale, le bureau information jeunesse, le service accompagnement jeune. Nous aurons également un volet droits sociaux avec le centre communal d'action sociale et la caisse d'allocation familiale. Nous aurons un volet euh, prévention santé, mais que euh, ma collègue Isabelle pourra évoquer tout à l'heure, ainsi que euh, les associations des centres sociaux qui seront présents également en direction des publics plus jeunes et des familles, notamment sur la question de la citoyenneté et des activités qui sont proposées comme euh, le FLEU, euh, français langue étrangère, pour euh, les administrer. Nous aurons également les transporteurs qui seront présents également pour parler de la sécurité dans les transports, mais aussi tout ce qui concerne les verbalisations. Et comment euh, proposer euh, aux Olnésiennes et aux Ouzelnésiens euh, des euh, des échéanciers euh, quand ils sont en difficulté Quel type de questions pourront poser les Ouzelnésiens Pouvez-vous nous en donner quelques-unes Par exemple, euh, j'ai euh, je veux résilier mon contrat d'assurance habitation. Je ne sais pas comment faire puisque j'ai déjà dépassé la date. Si ça fait plus d'un an que vous êtes assuré euh, auprès de votre assureur à habitation, à ce moment-là, c'est la loi mon qui s'applique. Donc euh, le juriste pourra lui expliquer administré, que euh, c'est tout à fait possible. Et parallèlement à ça, nous pourrons euh, délivrer des rendez-vous, notamment pour le point justice. Hein, je, je parle du point justice puisque j'en suis responsable et que nous euh, pourrons euh, donner des rendez-vous sur place. Dans des situations un peu plus complexes, hein, je dirais, euh, si par exemple il euh, y a nécessité de faire un recours sur euh, une demande qui a été faite et qui a été rejetée, par exemple, un rejet au niveau de, je ne sais pas, je, je parlerai peut-être de la CAF euh, par rapport à une allocation, à ce moment-là, le juriste pourra euh, faire un recours euh, dans les locaux du point justice alors après il peut y avoir d'autres questions que peuvent poser euh, les onésiens et les onésiennes hein. par exemple un jeune qui souhaite euh, intégrer une formation ou un dispositif euh, notamment le contrat engagement jeune puisqu'il n'a il n'est plus scolarisé, qu'il ne sait pas trop quoi faire, eh bien nous aurons euh, la mission locale qui sera présente et le pôle emploi qui pourront répondre à leurs questions. Oui, il sera aussi question du logement, vous pourrez aussi répondre y à des aussi questions. Il y aussi également oui, le logement, donc euh, on aura la prévention des expulsions locatives, donc l'équipe sociale habitat qui sera présente et qui pourra euh, répondre aux questions euh, justement des administrés qui sont confrontés en les informant de toutes les différentes étapes de la procédure d'expulsion et qu'à tout moment, l'administré peut arrêter, suspendre cette procédure d'expulsion. Donc, c'est tout à fait intéressant pour nos administrés de pouvoir se rendre au forum pour pouvoir avoir ces, ce genre d'informations. Voilà, donc il y aura bien plusieurs grandes thématiques qui seront abordées, le handicap aussi. Euh... Exactement, donc le handicap, j'ai évoqué le volet insertion, formation euh, et emploi. La santé, donc ma collègue va certainement évoquer euh, ce qui sera proposé au niveau de la santé. Nous allons également avoir euh, le bureau des deux victimes donc qui est à nos côtés. On va mettre en place aussi des ateliers, des informations collectives, ça je tiens à insister. Sur le droit du travail, donc ce sera des temps euh, le vendredi matin et le vendredi après-midi, et le samedi également, matin et après-midi. Donc sur le droit du travail, euh, les différents types de contrats, est-ce que je dois démissionner ou plutôt utiliser la rupture conventionnelle, dans quel cadre Donc l'idée de ce forum, c'est que les visiteurs puissent prendre contact avec les structures pour éventuellement continuer d'échanger après le forum, d'avoir des infos, des renseignements, un suivi. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment. Premièrement, que les personnes qui viennent au forum puissent identifier les différentes structures. Dans un second temps, c'est pouvoir repartir avec quand même des réponses à leurs questions. Et troisièmement, c'est pouvoir ainsi proposer, notamment dans le cadre du point justice, des rendez-vous administrés pour la période de juillet à septembre. Donc vous parliez du point justice qui a été créé en 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce point justice Alors le point justice c'est un label en fait du Conseil départemental de l'accès au droit dont, dont le président est euh, notre, euh, le président du tribunal judiciaire de Bobigny. Que ce point justice en fait euh, il est composé de plusieurs euh, permanences permanence d'un juriste de ladil du droit au logement une permanence d'un juriste généraliste une permanence d'un juriste du conseil départemental de l'accès au droit ce dont je parlais tout à l'heure une permanence de médiation familiale ainsi qu'une permanence d'un avocat et une permanence enfin des conseillers d'insertion et de probation des peines pour lutter contre la récidive en fait. Et donc, l'objectif, ben, c'est de permettre aux administrés de pouvoir s'entretenir et avoir des informations et des conseils sur des problématiques dont on a parlé tout à l'heure, hein, des problématiques de logement, droit à la consommation, de la famille. Donc, autant de thématiques qu'on retrouve au forum et qui sont évoquées toute l'année. Au point justice. Si les gens veulent se rendre à ce point de justice, quelle est l'adresse et quel est le numéro de téléphone Alors c'est donc le forum de l'accès au droit se déroule à, à la ferme du VPI. Du, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est rue Jacques Duclos. Pour toute demande d'information, il ne faut pas hésiter à contacter le point justice au 01 48 79 65 80 je répète 01 48 79 65 80 je tiens enfin à indiquer que concernant les acteurs notamment la caisse d'allocation familiale Pôle emploi ces partenaires là seront présents uniquement le vendredi ainsi que la ligue contre le cancer et la DAC 93 au niveau de la santé pour celles et ceux qui souhaitent Rencontrer ces acteurs-là, c'est indispensable de venir le vendredi. Ils ne seront pas là le samedi. Donc vous parliez de santé justement, qui sera abordée au forum. Isabelle, vous qui vous occupez de ces questions à la mairie, qu'est-ce que vous allez mettre en avant lors du forum Alors bonjour, d'abord à tous. Eh bien, écoutez, lors de ce forum, ça sera l'opportunité de présenter tout ce que peut proposer la ville en action de promotion et de prévention sur la santé. Puisque nous travaillons sur de nombreuses campagnes de, nationales, hein, de santé publique. Et nous présenterons donc tout ce qui concerne les préventions sur les dépistages organisés, les programmes nationaux, comme le programme MTDAN. Voilà, il y a énormément de, de campagnes publiques qui malheureusement sont méconnues justement par les Olnésiens ou qui n'osent pas s'en saisir. Et ce serait l'opportunité de, voilà, dû de, de, à notre présence de pouvoir parler de ces actions. Et c'est pour ça qu'à cet effet, donc nous avons convié une, l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, hein, qui est un de nos gros partenaires, euh, qui euh, donc développera tous les programmes qu'ils mettent en place au niveau national et au niveau de la Seine-Saint-Denis, hein, puisque chaque département, chaque région a, a aussi des spécificités et des thématiques émergentes. Vous trouverez également la Ligue contre le Cancer 93, qui fera un focus sur le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, puisque nous arrivons sur la campagne dédiée à ce dépistage organisé qui s'appelle Joint Vert. Et puis vous aurez également la DAC Santé Sud 93. Qui complétera donc euh, cette information. Bien évidemment, de notre côté, eh bien, nous parlerons également au niveau du Centre municipal d'éducation à la santé et de la direction santé de tous les programmes et de toutes les structures existantes sur la ville qui peuvent répondre à des problématiques d'accès aux soins, euh, d'accès à la prévention. Voilà, ça sera un petit peu euh, tout ce que nous pourrons développer et on se tient bien évidemment à la disposition des gens pour développer certaines thématiques ou certaines questions s'ils le souhaitent. Oui, on rappelle qu'Olney a la chance de disposer d'un réseau de centres médicaux de santé. Vous pouvez nous refaire un point sur ce dispositif? Oui, alors sur la ville, vous avez actuellement quatre centres de santé municipaux, dont le CMES Louis Pasteur, donc centre municipal d'éducation à la santé, qui est au 8-10 avenue Coulmont. Vous avez également trois centres de santé municipaux qui sont Tourville, Croix-Nobillon et Balagny euh, qui ont, eux, vont être plus spécifiques sur Tourville et Croix-Nobillon, euh, sur euh, le centre de planification et d'éducation familiale et de la médecine gynécologique. Euh, vous avez Balagny où vous allez trouver, pareil, médecine générale, soins infirmiers et vous aurez également le XAPA, le centre de soins d'accompagnement et de prévention et d'addiction qui est rue du Limousin. Et puis, vous avez le centre municipal d'éducation à la santé, Louis Pasteur, où vous retrouvez donc un ensemble de médecins généralistes, dentistes, euh, conseillères conjugales et familiales. Et nous avons l'opportunité aussi d'avoir, euh, au sein de notre centre, bah, la mission euh, handicap et différents services qui peuvent aussi répondre justement à des problématiques de, de santé ou euh, des parcours bien spécifiques. Voilà. Euh, sur le Centre de santé Louis Pasteur, on a aussi la possibilité, régulièrement, euh, par le biais de création d'expositions et d'outils pédagogiques, de proposer des animations ou des expositions sur des thématiques malheureusement récurrentes. Donc voilà, on crée des outils qui sont à la disposition du public régulièrement. Il y a un roulement sur ces expositions. Là, vous retrouverez euh, du premier au sept. Une exposition sur la semaine du muscle. Euh, ça peut être aussi sur la semaine de la vaccination européenne, sur les maladies telles qu'Alzheimer avec des questions, des réponses, et on peut accompagner les gens qu'ils le souhaitent, ou les laisser libres de regarder simplement et de s'informer. Oui, donc c'est tout au long de l'année que la ville mène, avec ses partenaires, des actions de prévention et de sensibilisation. On peut en citer quelques-unes récentes alors, écoutez, dans les dernières, euh, les très grosses actions, ça a été par exemple sur le dépistage organisé du cancer euh, du côlon, hein, Mars bleu, où nous avons eu l'opportunité de tenir euh, plusieurs stands sur la ville. Donc, on essaye en général d'être de, de, sur des lieux neutres hein, qui facilitent euh, la discussion. Donc, on va être sur les marchés, sur le centre commercial au Paris Nord. Voilà, c'est des lieux qui ouvrent à discussion. Et donc, on va parler sur l'importance du dépistage organisé parce qu'il faut savoir que malheureusement, sur le. Alors, le recours au dépistage organisé est faible, mais sur la Seine-Saint-Denis, par exemple, pour le cancer du côlon, vous avez simplement une personne sur quatre qui se saisit de ce, euh, voilà, de cette invitation au dépistage. Et il faut quand même savoir que sur le cancer du côlon, par exemple, euh, bien pris à temps, euh, il y a vraiment de très grandes chances que euh, ça guérisse très rapidement. Donc, d'où l'importance de communiquer au maximum sur ces dépistages organisés qui sont pris en charge directement par euh, les partenaires comme l'assurance maladie. Et euh, ça, c'est vraiment très important. Donc pour le cancer du colon, on rappelle qu'il est important de se faire dépister à partir de... Alors les tranches d'âge, c'est 50 à 74 ans et c'est ouvert, évidemment, femmes et hommes. Merci, Isabelle. Sur un des stands de la ferme du Vieux-Pays, on pourra aussi rencontrer Laurence Octor et le bureau d'aide aux victimes. Laurence, quels sont les types de renseignements que vous allez pouvoir fournir au public les 9 et 10 juin Bonjour, euh, donc les renseignements que nous allons pouvoir apporter, c'est euh, déjà un peu le, comment euh, fonctionne le bureau d'aide aux victimes, ses différentes missions. Euh, donc, nous aurons des affiches euh, qui définiront euh, les différentes démarches. Donc le bureau d'aide aux victimes euh, donc, qui reçoit donc, les personnes victimes d'infractions pénales. Donc agression, accident, viol, violence conjugale et également des affiches où euh, le bureau d'aide aux victimes euh, également mentionnera les démarches auprès des personnes euh, qui souhaitent avoir des renseignements au niveau du droit de la famille. Euh, nous avons également on aura également donc des affiches euh, dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes. Nous distribuerons également des bracelets euh, dans le cadre de la campagne, donc hashtag stop à la violence, hashtag quand c'est non, c'est non. Nous aurons également à disposition des violentomètres euh, qui définissent un peu, si vous voulez, le, le degré de la violence. Euh, nous aurons également l'intervention enfin sur place, euh, notre avocate, Maître Rémi, euh, ma collègue psychologue, Madame Benoun, donc, et moi-même. Voilà, donc les personnes qui se présenteront auprès de nos stands, nous les informerons un peu, si vous voulez, de notre action, de nos missions, comment nous intervenons. Donc on rappelle que le BAV a été créé il y a plus de 30 ans, en 1992, c'était du temps de Jean-Claude Abriou. Euh, quelle autre action menez-vous tout au long de l'année Alors, dans le cadre de la journée pour faire avancer le droit des femmes, euh, nous organisons en partenariat avec le cinéma Jacques Prévert une projection débat à destination des professionnels, mais également du grand public, donc un film dans le cadre de la violence conjugale, avec un débat animé conjointement avec l'Observatoire départemental des violences envers les femmes. Euh, nous organisons également en novembre, dans le cadre de Femmes du Monde en Seine saint denis euh, donc une projection débat, euh, donc pareil, hein, donc avec un débat animé conjointement avec l'Observatoire et toujours au Cinéma Jacques Prévert. Nous faisons également euh, des sensibilisations auprès de collégiens dans le cadre de Jeunes contre le sexisme. Euh, nous avons euh, également euh, mis en place en 2021 donc une distribution de sacs publicitaires auprès des boulangers, en 2022 auprès des pharmaciens et cette année donc en cours de distribution des sacs publicitaires auprès des primeurs sur les marchés où donc euh, sur ces sacs sont apposées les différentes coordonnées des services de la ville à contacter ainsi que le 3919 et le numéro 114 pour les malentendants. Nous organisons également pour les femmes euh, des groupes de parole, euh, donc à destination donc, des femmes victimes de violences conjugales, euh, conjointement des cours de Krav Maga, donc des techniques d'autodéfense ainsi que des ateliers bien-être, afin qu'elles puissent se ressourcer et se focaliser, je dirais, sur elle-même, reprendre confiance en elle. Quel conseil vous donneriez à une femme qui serait victime, euh, mais qui n'oserait pas franchir le pas d'appeler euh, le, le BAVE euh, alors, après, c'est toujours difficile, hein. c'est vraiment en fonction de, de la personnalité de la personne. Euh, c'est vrai qu'elle peut toutefois aller dans n'importe quel service, que ce soit le service social, le CCAS, euh, les PMI. On travaille en partenariat avec d'autres professionnels. Euh, donc, parce qu'on sait que pour les violences conjugales, on ne peut pas travailler seul. Il faut vraiment qu'il y ait un partenariat. Après, moi, ce que je conseille quand même auprès des différents services, c'est d'apposer des affiches où elles savent que euh, les femmes. Euh, peuvent justement dire qu'elles sont victimes de violence conjugales. Après, c'est toujours difficile pour certaines dames de dire voilà moi je suis victime. Euh, mais le fait de voir cette affiche, elles peuvent se dire voilà c'est un lieu où je peux en parler. Après, euh, c'est vrai qu'il est aussi important pour le professionnel de parler de enfin, d'émettre je dirais de, le, le questionnement systématique parce que pour cette, certaines femmes on, elles n'osent pas dire voilà je suis victime c'est toujours difficile. Elles peuvent tout à fait venir vous voir pour juste un renseignement sur une procédure de divorce euh, ou une requête euh, JAF, euh, voilà. Mais le questionnement systématique est indispensable. Voilà. Donc d'où l'importance de la communication avec voilà. cette nouvelle campagne qu'on va voir sur les sacs de fruits et légumes prochainement. Tout à fait. Merci Laurence pour ces informations. Merci. Euh, Malika, pour en revenir au forum, il y aura aussi un important volet consacré aux seniors. quel type d'informations leur seront accessibles alors tout à fait, nous aurons euh, notamment euh, le la climade. Hein, donc c'est, euh, enfin le climade, c'est le centre de liaison et d'information pour le maintien à domicile. Donc ça s'adresse aux personnes euh, de plus de 65 ans. Un accompagnement qui est fait euh, notamment au niveau des, de l'accès aux soins, euh, au niveau de portage de repas à domicile, euh, ce genre de choses. Ce partenaire est important dans la mesure où il s'adresse à une population. Euh, qui a des besoins spécifiques, notamment dans leur démarche au niveau administratif. pour évoquer notamment l'allocation de perte d'autonomie, donc c'est l'APA. C'est parfois difficile pour, pour ce public de pouvoir constituer ce genre de dossier, donc d'où l'accompagnement, ce genre de structure. Et un autre point qui intéresse les Olnésiens, c'est le cadre de vie avec la présence de la GUP, la gestion urbaine de proximité. Alors oui, donc la gestion urbaine de proximité œuvre sur l'ensemble du territoire en lien avec les différents acteurs qu'ils soient associatifs ou non. Ils mettent en place des diagnostics en marchant, c'est-à-dire qu'ils vont euh, sur les quartiers, euh, ils mobilisent donc la population holnésienne hein, pour euh, détecter euh, les déchets, détecter les euh, les problèmes de d'insécurité ou de sécurité hein, notamment un panneau qui est arraché ou qui est sur euh, sur la voie. Donc ils font des signalements, ils mettent en place également des actions autour de la propreté des quartiers donc avec euh, le ramassage de déchets euh, dernièrement samedi dernier le samedi 27 il y a eu cette opération-là. Il participe également aux opérations jardin partagé où des publics enfants sont mobilisés également pour être sensibilisés à tout ce qui concerne la nature, le jardinage et le respect de l'environnement. Donc c'est un partenaire qui est important pour, pour notre ville et pour le bien-être de tous dans, dans chaque quartier et pour préserver euh, ce cadre de vie au quotidien. Et quels conseils donneriez-vous aux gens qui veulent faire valoir leurs droits mais qui se sentent un peu perdus parfois face à la complexité administrative ou qui ont des difficultés hein, devant l'ordinateur hein, puisque aujourd'hui beaucoup de démarches euh, se font en ligne euh, sur internet. Alors nous avons euh, donc à disposition le bus France Service hein, qui intervient pareil euh, sur les territoires, c'est-à-dire que c'est un bus itinérant qui se positionne euh, sur un quartier. Il y a deux personnes qui sont formées, tout ce qui concerne le service, le service public dans, au niveau des démarches et qui peuvent répondre aux questions des olnésiennes des et des olnésiens. Nous avons également les espaces déclic où là, l'administré peut, peut se rendre à cet espace. Il a à disposition des ordinateurs ou des tablettes. Il est accompagné par des personnes qui, qui l'accueillent. Euh, et euh, ça peut lui permettre de saisir en ligne euh, euh, son, euh, par exemple, les impôts. La, euh, la date butoir pour euh, la Seine-Saint-Denis pour le 93, c'est le 8 juin. Donc je fais un petit rappel à ce sujet. Euh, donc n'oubliez pas de, de déclarer vos impôts. Euh, donc dans les espaces des clics il y a cette possibilité-là d'aider euh, les personnes à pouvoir euh, saisir en ligne leurs impôts, par exemple. Donc au final, la philosophie de ce forum est aussi de lutter contre le phénomène dit du non-recours. Exactement. Alors il euh, y a deux choses. C'est-à-dire, euh, vous avez des personnes qui ne connaissent pas forcément euh, leurs droits, euh, la possibilité qu'ils pourraient bénéficier d'aide et qu'ils ne font euh, pas valoir ce droit-là. Donc c'est euh, l'idée de ce forum vraiment. Euh, c'est de leur permettre de, de mieux connaître euh, leurs droits. Bien évidemment, un droit... Euh, ça, ça implique également une obligation, un devoir, forcément, donc avec euh, des dates butoirs. Euh, par exemple, je parlais tout à l'heure des impôts. Alors, si on ne déclare pas ces impôts, effectivement, on peut avoir des pénalités de retard. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser, de les informer et euh, de dire aussi aux Onésiennes et aux Onésiens que sur aulnay sous bois cette ville a... Euh, un certain nombre de structures et de dispositifs qui sont à leur disposition. Et ce forum leur permettra euh, déjà de pouvoir prendre contact avec euh, une partie hein, des acteurs, puisque bien évidemment, euh, tous les acteurs ne seront pas présents euh, à ce forum du fait de l'indisponibilité de certains acteurs. Mais tout du moins, ils pourront voir des acteurs euh, qui sont euh, essentiels, notamment les deux victimes, la santé. Euh, le service social, euh, le maintien à domicile, toutes euh, ces questions qui sont euh, au quotidien euh, pour chacun d'entre nous, en fait. Voilà, donc les personnes intéressées par l'accès au droit donc, pourront vous rencontrer, vous, directement euh, à la ferme du Vieux-Pays, les 9 et 10 juin. Merci en tout cas, Malika, pour vos éclaircissements. Merci à toutes euh, d'être venues ici répondre à nos questions. Euh, je rappelle que le forum est un événement gratuit. Euh, quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Made in Olney. Olney Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.